Selon une étude publiée ce mercredi 15 décembre par la revue médicale BMJ, plus d'un cinquième de la population mondiale devrait attendre jusqu'à 2022 pour avoir un vaccin contre le coronavirus, avertissent le chercheur de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Pour cause, plus de la moitié des doses potentielles pour 2021 ont déjà été achetées ou mieux réservées par les pays les plus riches du monde. Les chercheurs de la revue médicale BMJ ont analysé des chiffres des précommandes de vaccins annoncés par les différents pays autour du monde avant même les premières autorisations d'usage de ces vaccins. À la date du 15 novembre dernier, au moins 7,48 milliards de doses ont été réservées auprès de 13 laboratoires fabricants permettant de vacciner quelque 3,7 milliards de personnes puisque la plupart des vaccins nécessitent deux injections. Selon ces études, 51% de ces doses ont été précommandées par les pays développés qui ne représentent que 14% de la population mondiale. Le pays à faible et moyen revenu, soit 85% de la population mondiale, devront se partager ce qui reste. Conséquence, un cinquième de la population mondiale n'aura pas accès au vaccin avant 2022.